amis, bonjour à toutes et à tous, Dynamic Game de Chaland. Donc on va faire Assez Fissa. C'est pour deux nouveaux tests dont mon ami voulait absolument vous faire découvrir deux nouveaux jeux. Honnêtement, il n'y a pas de sortie, c'est très très calme. Là, on est le 6 avril, c'est un peu calmos. Donc on a deux jeux Switch à vous montrer, à vous faire connaître. Vous allez voir, c'est deux bons titres. Allez, vas-y mon ami Pierre. Donc commençons par... Avec la casquette. Oui, regardez, elle est très belle. Casquette. Alors, Pokémon. Donc on commence par Grim Grimoire sur Switch. Donc en fait, pour raconter un peu, c'est l'histoire d'une sorcière qui est dans un château. Et puis elle combat des monstres, elle peut lancer des potions, je crois. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, c'est ça, ouais. Et, donc scrolling horizontal, on se déplace de gauche à droite. Oui, c'est en 2D, oui. C'est les créateurs de Dragon's Crow, c'est Nice America, donc c'est un très bon jeu de rôle. La prise en main n'est pas évidente quand même. C'est pas mettre toutes les mains, un enfant on peut pas jouer à Grim Grimoire, c'est assez compliqué. Pas, oui. Donc c'est pour les aficionados des jeux de rôle, c'est vraiment un très très bon titre, effectivement. C'est un titre mineur, mais c'est un très bon jeu. Voilà, et tout, on passe au suivant. Oui. Si t'as plus rien à dire, faut pas aller au suivant. Ok, donc, donc c'est Cult of the Lamb. Attends, on va parler de celui-là. Ok. Un petit moment détente, vous allez voir, c'est assez marrant. Ouais. Un petit moment détente avec Pierre, vous allez voir comment il danse sur Just Dance. On se revoit juste après. Partie Just Dance, yeah. Notre ami Pierre nous fait un petit Just Dance Party. Salut tout le monde, comment ça va? Attends, on prend laquelle? Choisis ce qui t'éclate. Attends, oula. Vous allez voir un grand moment de vidéo. Ça, c'est une petite interlude. On prend quand même. Qu'est-ce que tu kiffes, mon ami? Qu'est-ce que tu... J'ai quand même une musique. En plus, en fond, on a la musique d'Hogwarts Legacy. Non. Allez, choisis un truc. Allez, là. Je vais mettre celle-là. Voilà, celle-là. Bah, je la connais pas, tu la connais? Non. Et non, mais il faut pas chanter, il faut juste danser là. C'est parti pour la danse! Oula. Attends, mais en fait, il faut faire là où... Ah, ça... Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Il se bouge pas du tout. Attends, mais moi aussi. Attends, au pire, je vais faire comme là, le truc. Welcome to Silver Star Tower. I will do my very best to instruct you. This seems interesting. Maybe I'll give it a try. Come out, everyone! Gather all the mana you can. To show what I can do. Dragon, arise! In this world, surrounded by mana, you must learn that there are special rules. Our teachers are all famous magicians. Study hard under any teacher you like. This is a dream come true. Mind yourself. You won't get away with this. I have to be strong. Another victim. Are you the new girl? I'm counting on you. I'll need a lot of mana for this. Stay on guard, everyone. Just the thing! I'll put an end to this! Open the grimoire once more with brand new features to explore! Coming April 4th, 2023 to Nintendo Switch!
pire, je vous explique un truc, c'est que le magasin est ouvert. Ouais. On est mercredi. On et... je suis sûr qu'il va encore faire fuir des clients. Moi, je suis le plus chez ça. Ouais, ouais. Ouais. T'inquiète, moi, j'ai ça dans le sang. Donc ça fait partie du travail, hein. Oui. Non mais je vous assure, ça fait partie du travail. On est en train de tester une console. Ouais. Il y a énormément de matos là par là. Allez, c'est parti. Vous voyez ? Et c'est parti. Et faut tester tous les jeux. Au moins vous êtes sûr, vous êtes sûr au niveau de la qualité du jeu, vous êtes sûr qu'il fonctionne. Allez, allez mon Pierre. Attends, je m'y mets aussi. Hein. Ouais. On va peut-être arrêter pour éviter que tu sentes la transpire. Ouais, non, c'est pas grave, on s'en fout. Attends, oula. Ouais. Yeah. Voilà. Super danseur, in the box. Notez ma danse sur 10 en commentaire. Mettez des bonnes notes aussi. Donc là, c'était le but, c'était de tester une console et un jeu. Et Just Dance, il a kiffé. Il n'y avait personne dans le magasin, donc forcément, ouais. C'est rare. D'habitude, il y a plein de monde en semaine. Au moins, alors, on pourrait pas dire qu'on teste. Parle-nous du dernier jeu, allez. Je préférais dire qu'au moins, ils voient qu'on teste leur jeu et leur console aussi. Ah bah oui, bien sûr. Donc le dernier, c'est Cult of the Lamb, si j'ai le bon accent anglais. Donc en fait c'est un jeu où vous avez des animaux et vous devez vous occuper d'un village. Vous devez combattre les monstres, faire en sorte de d'essayer qu'ils volent, de faire en sorte qu'ils volent le moins de ressources. Très bon jeu si vous êtes fan de stratégie. Voilà, stratégie plateforme et graphiquement c'est un peu vu du dessus. Oui. Et puis le personnage c'est façon démoniaque, ouais, donc c'est très, c'est comme la couleur de jaquette, c'est rouge, noir, c'est un peu biblique, c'est marrant, je me suis mignon. C'est pareil, c'est un petit jeu indé, mais c'est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, on va vous montrer quelques images, les amis. 3, 2, 1, c'est parti! Cette vidéo. Deux petits jeux sympathiques. Je pense que la semaine prochaine il y aura des nouveautés. Il y a Dead Island 2 qui devrait sortir normalement la semaine prochaine. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dead Island 2. Et puis, c'est tout. Je crois c'est assez calme. Hein. Oui. Parce que la majorité sont poussés au mois d'avril ou au mois de mai. Oui. Forcément, on fera un petit résumé de Zelda qui devrait arriver normalement 12 mai si tout va bien. Il y a aussi la console en série limitée. Donc vous étonnez pas, le Zelda en série limitée Tears of Kingdom, The Legend of Zelda. En série limitée, il n'y a que 12 000 pièces pour toute la France, les amis. 12 000. Donc, autant vous dire que c'est mission impossible de trouver un collector. Si vous en trouvez un, gardez-le bien au chaud, parce qu'à mon avis, ça va côté sec. Voilà. Donc, voilà. Bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oui. Et puis, on se dit à très, très bientôt. Ah oui, bah, à plus tard. Salut, mon ami. À bientôt, Pierre. On fait pas une main. Check. Au revoir. Et check. Allez, à bientôt. À bientôt sur la chaîne Game. Bye bye.